Et tout ce qui leur appartient. Pe, nyonso
quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé les troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans les pays de Gozen. Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Que le Seigneur vous ajoute les bénédictions en cette sélection au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore. Nous continuons avec notre enseignement. Nous avions débuté depuis le mardi passé. Nous étions là le mardi et le vendredi. Seigneur, avec ceux qui aiment la parole. Et je suis certain que les enfants de Dieu ont été bénis. Je suis certain que la connaissance a augmenté. Je suis certain que le Seigneur a ajouté quelque chose. Et ce matin, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Nous étions en train d'expliquer Joseph le véritable. Parce que le thème est tiré des paroles de Joseph. Ces hommes sont bergers, ce sont les paroles de Joseph. C'est sorti de la bouche de Joseph. Et nous devions avoir une idée sur Joseph. Lui qui est l'auteur de ces paroles. Nous avions expliqué Joseph dans sa portion terrestre. Et nous avions aussi touché Joseph dans sa portion céleste. La portion terrestre, c'est en d'autres termes ce que nous appelons selon la doctrine. Ou encore l'écriture noire sur blanc. La portion céleste, c'est ce que nous appelons aussi la révélation. C'est-à-dire la lumière sur l'écriture noire. Nous avions expliqué en réalité, pour ne pas prendre trop de temps, nous avions dit que Joseph le véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Lui qui devrait porter la charge de ses frères. Le 11e fils de Jacob. Et le temps nous a manqué de parler de beaucoup de choses. Parce que nous croyons aussi que quand le 11e fils Joseph était venu dans la vie de Jacob, Jacob et ses enfants ne pouvaient plus rester chez Laban. La naissance de Joseph avait occasionné la sortie de Jacob. Le chiffre 11, c'est aussi le chiffre de la délivrance. Dans l'évangile éternel, la délivrance ne se prêche pas seulement par rapport au chiffre 4. Et la délivrance, c'est aussi par le chiffre 11. Parce que Jacob avait 10 fils. Pendant qu'il était encore esclave chez Laban, il a engendré 10 fils. Mais quand le 11e Joseph était venu, Jacob a réclamé de sortir de chez Laban. Si nous ramenons cela même en Égypte avec Israël, vous allez prouver que quand Dieu a envoyé Moïse, avec Moïse, l'Éternel a frappé l'Égypte de 10 plaies. Ah, Yahweh a bétaki, Égypte, n'a pas porté ça. Toutes ces 10 plaies, ma porte, je ne vais pas permettre à Israël de sortir de l'Égypte. Et qui te sera dans Israël, il a fallu que la mort de l'agneau puisse intervenir. Et c'est là qui te moué. Couvre-moi la porte de l'agneau. La mort de l'agneau a intervenu après, juste après les 10 plaies. Ah, couvre-moi la porte de l'agneau, ma porte. Donc nous pouvons aussi dire que la mort de l'agneau, c'était le
Quand l'agneau meurt, Israël doit sortir de l'Égypte. Israël est seigneur l'âme en Égypte. L'agneau qui était mort en Égypte, le véritable c'est le Seigneur de gloire Jésus Christ. La seule salive de Colakembo. Christ est mort à la croix. Donc Christ a couvé les couloirs. L'humanité a reçu la délivrance par la mort de Jésus. Batobasi bokambo la minaliwa Jésus Christ. Ça c'était notre chemin. Et nous ne voulons pas emprunter faute de temps. L'humanité cause un point de temps pour les animaux. Retenez seulement que Joseph dont il est question dans notre enseignement. Joseph au bas solo bela nakata ni la kisi. L'auteur ne sait pas bon, ne sait pas bon. Comment maloba oye? C'est le Seigneur de gloire Jésus. Et ça dit qu'on a qu'un beau Jésus. Nous avions aussi démontré. Pepiso total isa. Que noir et si blanc comme ça. Nakata ni komi boye. Joseph. Joseph. Avec ses frères. Azala ki na bande kona mi. Il avait aussi la famille de son père. Azala ki pera ni bote a tata. Parce que lui-même qui donne cette précision. Yenda zo pia siki siki wana. Joseph est dit à ses frères et à la famille de son père. Joseph voyait ici ma décorée animal, il perd les bottes à tata. Nous avions expliqué. Tondimboraki. Noir et sur blanc. Moïse de l'école permet la vie. Les frères de Joseph. C'était donc les 11. Et Zali Bazomi n'a manqué. Les 11 autres fils de Jacob. Bana Mibali. C'était et qui constituait la classe des frères de Joseph. Mais à part les 11, comme frères de Joseph, il y avait aussi la classe qui constituait la famille de son père. Nous allons démontrer que la famille de son père était en réalité les enfants. Et ça qui parle d'un homme et d'un homme et d'un homme. Oui, les 11 s'étaient mariés. Ah, mais ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Et leurs femmes. Et leurs enfants. Tous ils constituaient la classe de la famille des pères de Jacob. Il a aussi des frères spirituels. Cela nous l'avions démontré par Genèse chapitre 37. Nous avions dit que ce n'était pas pour rien. Mais Dieu qui voulait parler à Joseph par exemple, il va parler à des reprises. Il a présenté dans le premier son. Les frères de Joseph sous un aspect terrestre. Nous étions dans les champs en train de lier les chèvres. Les champs, les chèvres, c'est le terrestre. C'est une vision terrestre. Là dans le premier son, les frères de Joseph, ce sont terrestres. Mais dans le deuxième son, Dieu change l'aspect. Il va présenter maintenant les frères de Joseph sous un aspect céleste. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Quand on parle du soleil, de la lune, de l'étoile, ce sont des choses célestes. Voilà pourquoi nous disons Joseph a deux catégories de frères. Il a des frères terrestres. Il a aussi des frères célestes. Le véritable Joseph, c'est Jésus. Joseph, bien sûr, Jésus Christ. Nous avions aussi démontré que au jour de sa chair, lui comme le véritable Joseph, le Seigneur nous a aussi enseigné dans son corps. Il a démontré dans le corps de Jésus que Jésus avait des frères terrestres et
de frères célestes. Yes, ça qui bandeko, yamabele pe na bandeko ya Dieu. Amen. Ça c'est Matthieu chapitre 12. Matthieu c'est Matthieu 12 mina mina. Verset 46 jusqu'au verset 48. Anzela tu kumine na motoba pe na. Jésus était dans la maison en train de prêcher la foule. Yes, ça qui anda ko côté tuluku ya bato. Dehors de la maison, il y a eu sa mère et ses frères qui sont venus le chercher. Ta si bana nda ko sala ki na mama pe ba dekone ko ya pe. Cette mère n'a pas osé entrer dans la maison où Jésus était. Jésus dit là ceci. Qui est ma mère? De qui sont donc mes frères? Il dit voici ma mère. Voici mes frères. C'est-à-dire ceux qui écoutaient la parole en ces temps. Là, moi je vois que Dieu, l'Éternel, Yahweh, a répété à Pandélie. Genèse 37. Jésus, comme le véritable Joseph, il a des frères charnels qui sont dehors. Mais il y a aussi des frères spirituels qui sont en détresse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça vient pas pour la vie. La portion de frères terrestres de Jésus. Ah, bande de koyamabele à Jésus Christ. C'est la maison d'Israël. Et ça dit d'un quoi Israël aujourd'hui. Oh yo les lords. Se retrouve en dehors. Mais ça dit banda yanda. Mais la portion de frères célestes de Jésus. C'est l'église dans laquelle Jésus-Christ est en train d'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les frères de Joseph. Oh bien-aimé. Nous devons bien maîtriser ces choses. Parce que notre thème c'est ces hommes sont bénis. Ils sont alors ces hommes. Nous disons que le berger, c'est le frère de Joseph, les amis de Mayo, c'est le berger, papa de Livoué, les amis de Mayo, tatata. Que Dieu vous bénisse. Ah. Et le frère de Joseph, et la famille de Joseph, et les amis de Mayo, tous, pas bonnes choses, constituent la classe, pas salier, et nous avions dit ceci, Tolomaki Boy, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, les frères de Joseph, ce sont les ministres de la parole. La famille de son père, c'est le peuple qui est engendré par le travail de ministres de la parole. Ils élèvent les troupeaux. Pas beaucoup là.
si je te pose la question, ce qui est un berger, qui est un berger, n'aninde berger. La réponse est que et à nous salir un berger, batterie, celui qui élève les troupeaux. Et salir voilà beaucoup la bibouelle. Il est félix. Ah. Ces hommes sont bergers. Mais quand Dieu va salir en batterie, ils élèvent les troupeaux. L'écriture continue à préciser. L'incombi est comme une accomplissement. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs. Et tout ce qui leur est abattu. Pignons sur les alliés à les troupeaux qu'ils élevaient. La nature de ces animaux-là. Selon les témoignages de l'écriture. Ce sont les brebis et ça lui va pâter. Ce sont les brebis et ça lui va gomber. Dit dans notre contexte, oh, il y a des mots de l'inabissé. Un berger, mon bâtiment, c'est celui qui élève et ça lui va se décomposer. Les brebis, ma pâter et le bœuf, puis ma gomber. Que Dieu vous bénisse. Ah. Que Dieu vous bénisse. Ah. J'ai dit que l'église, dans le bien de l'église, c'est-à-dire le peuple, l'imbota et le ministre, puis la bâtiment, nous sommes tous ces bergers. Nous devons donner l'explication spirituelle de
On nous regarde comme des brebis destinées à la mort.
C'est le prophète qui parle. Ah ouais, ça lui m'a sacré le prophète ici. Mon sacré se compare aussi. Ah, ça lui commet qu'on gagne sa part. Ah, des brebis égorgées. Ah, n'a pas pâté au maman. Là, je veux dire. Voilà, et si nous sommes bénis, sauf qui t'os a dit, maman. Des brebis que nous gardons. Ma pâté t'os a dit, comment c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Les brebis que nous gardons. Ma pâté, comment ce sont les prophètes. Et ça lui peut m'attendre. Les brebis que nous gardons. Ah, ma pâté t'os a dit, comment c'est troisième témoignage. Ah, Nassi Maya, yes. Le témoignage était un des trois où le trois est vrai. Amen. Prenons le troisième témoignage. Et Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Ah, mon capo Nazo. Nous lisons le verset 16. Totagin zera moke azomi na motoba. Voici. Voilà. Je vous envoie. Ça dit qu'on t'a mis non. Comme les brebis au milieu des loups. Loco la bampate, katikati la bangoso. Soyez donc prudents. Aux alangeles. Comme les serpents. Loco la manioc. Et simple comme les corons. Père, y'a comme qui t'a loco la bibenda. Ici, Christ est en train d'envoyer ses disciples. Ah, Christ, on continue d'avoir les colis là. C'est-à-dire les apôtres. Le baron Thomas. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. On a beaucoup de côté à sa maman. Mais qui est-ce qui a ceci? La sia colomba. Je vous envoie comme qui? Azotina loco la banane. Je vous envoie comme bébé. Loco la bampate. Si vous venez, les frères, vous voyez les frères Pierre venir chez vous. Ce qui vous moni, Thomas, Paul, Pétélo, aïe, pas de Matthieu. Vous prêchez la parole. C'est Matthieu là. Ah, Matthieu, c'est Jean là. Yohan, c'est Pierre là. Batoa. Il est vieux comme il est venu. Aïe, le col, aïe, pâté. Nous avons le témoignage de toi. Tous allés, les brebis, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les brebis c'est qui? Pâté Salimana. Ce sont les prophètes. Les brebis c'est qui? Pâté Salimana. Ce sont les apôtres. Et Saliman Thomas. Que Dieu vous bénisse. Ah. Est-ce que le frère peut me donner l'écriture? Est-ce que le frère peut me avec ce schéma ici? Non, moi je crois. Et ce schéma était nous ramène. Et Salimana Mabiso. Non. Ephésiens chapitre 2. Ah, Nakati a mon cadet et fais mon capami. C'est 19, verset 20, je crois. Ah, c'est là, je m'y ai dit, tout comme vous avez été édifié. Bino, Botonama. Sur le fondement. L'icône à mon bon corps. Les apôtres. Les Thomas. Et les prophètes. Jésus-Christ. Jésus-Christ, soyez mon corps. Alimanga, la licorne. Jésus, la pierre. Jésus, l'imanga, le palais. Les prophètes sont des vrais. Parce que les apôtres. Les apôtres sont des vrais. J'ai dit ceci. Un berger. Ah, mon bâtir. C'est celui-là. Et ça lui va. Qui garde. Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ dans la mort. Il garde les apôtres. Ah, combattre la Thomas. Il garde les prophètes. Il combattre la massacre. Oh, les apôtres et les prophètes. Donc, quand même, Thomas la massacre. Et Jésus-Christ est lui-même. Père Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons en d'autres termes. Et ça lui va tomber la canne et l'obéir et mon sous-sous. Adopté. Mon bon colitéa. Ces hommes sont des bergers. Conservateur de la et sa bactérie à l'Ilakisi encore le Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes conservateurs de la doctrine. Tous à l'Iba bactérie à l'Ilakisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, il ne faut pas avoir honte, Jonas. Et Seigneur, il te cause à son il faut toujours défendre la doctrine. Et Seigneur, il te cause à la littérature. Vous savez, moi, votre frère. Voyez, il n'y a pas de connaître à mon mal. Est-ce que ceux qui se disent
piano. Amen. Et ça la vous savez qu'il y a des seuls là qui s'appellent l'Assemblée des Saints. Vous qui prêche qu'aujourd'hui on ne peut pas percevoir la vie. Donc on quitte qu'on a 10 000 et l'homme encore la zone. Et ces gens-là, nous les mettons de haut. Tous allez vous dire, nous les chassons de nos églises. Il y a un homme de Dieu qui est vert et arroux. Ah, voilà. Et ça y a monté, il m'a rencontré pour les Ongana. Les notés, Jonas va les connaître. Ah, monté, il n'y en a pas aimé. Il a été chassé de l'église. Ma bengane est l'église. Parce qu'on a découvert. Pour ma Monica Kaïp. Il était un frère de la soi-disant assemblée de ces 10 000 lois. Dans le monde des assemblées des saints. Vous allez trouver cette assemblée des saints. Vous comprenez l'église de l'assemblée. Vous devez savoir. Quand Jonas se prêche, quand Jonas a dit qu'on était pas bichou et ça m'embêtait. Les prêches ne sont pas mauvais. Moi, papy roulé. Et moi, mon téléphone. Je prêche et que j'ai la tête. Bichou et ça m'embêtait. Les bichous sont mauvais. Les prêches sont mauvais. Vous devez savoir. Et si vous êtes entre moi et Jonas, et Nangaï, l'un est dans la vérité. Être dans la fosse et que ça nous a l'air tout à l'heure. Et c'est que nous voulons être soudain. Rester comme ça. Ah, n'est pas ça bien. N'est pas ça bien. Les lois allaient pour battre. Ton coup, ah, église en église, je sais que ça va fâcher les gens qui n'aiment pas la vérité. Laissez-moi dire. Nous avions trouvé l'Angola. Plus qu'elles églises. Mais chaque église. La église en église. Sans confession. Ah, non, il y a un mais ma pensée de confondre à quoi? Avec respect. Quand vous venez ici à Saint-Fil. Saint-Fil et à Saint-Confession. Ah, église en Saint-Fil. Tu dois respecter la confession des saints. Ton sabbat, la vérité est dans ma gueule. Malgré que tu peux avoir ta vérité. La tête pour qu'on n'a pas besoin de son nom. Tu dois garder ta vérité. Yé, bon, bah, yango. Entre ces éléments, hein, otaka, dans ce que Saint-Fil confesse. Na, oh, Saint-Fil, yango, quand vous allez à Yolo, yolo vous allez trouver une université avec ça. Vous pouvez l'université à l'intérieur. Moi, quand tu viens, yo, ta boye, avec ta, ta connaissance, na boye, avec yolo, ta, ta réalité, na ma kambona. Nous avons dit non, ça n'existe pas dans la doctrine. Soit que nous sommes frères, ou bien tout ça va dire. Notre fraternité est basée. On déconabit ce frère Nicolas. Notre fraternité est basée. On déconabit ce frère Nicolas. Notre fraternité. On déconabit ce est basé sur la série. Et voici Nicolas, il a qui ça m'a tous les apôtres de Jésus. Avec une même doctrine. Il a qui s'est moqué l'enseignement des apôtres. Jonas. Yo, même s'il faut souffrir de faim, attaque le Seigneur qu'on coupe en salle à cause de la doctrine. Bon alliance, accepte cela. Ah, dis-moi là. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, pour être là, il y a des gens qui disent, et Seigneur Batokoloba, il va souffrir. Ah, on y va. Lui, c'est un extrémiste. Il y a Zali Pena Mouta. Il y a Zali Pena Mouta. Il y a Zali Pena Mouta. Il va pas pécher. Il va pas pécher. Il va pas pécher. Il va pas pécher. S'il faut
faut souffrir à cause de la vérité. Accepte de souffrir. N'aie pas honte de témoigner la doctrine. Je l'ai suivi maintenant à la télé. Je l'ai suivi maintenant à la télé.
Dieu lui a révélé. Zambé à la kisie. D'où proviennent les maladies du Congo? Ah, wapi ma passe y a Congo Zaliko. Écoutez ce qu'il dit. Dieu m'a révélé. Zambé à la kisie. Amenez-nous à voir le président. Ah, bon, mais maintenant il a tout à la mokabi. Je veux voir le président de la République. La mokabi école. J'ai la solution. Na Zaliko et la maladie du Congo. Na wata li papasi. Dieu m'a révélé. Zambé à la kisie. Pourquoi le Congo ne se développe pas? Congo ne va pas de là-bas. Ah, comment c'est qu'on est dans les mosquées? Parce que les pasteurs congolais prennent des matériaux à Congo. Manger la dîme. Parce qu'ils connaissent mon corazon. Alors que la notion de la dîme dans la Bible, donc en réalité, à mon corazon, il y a lui. Ce n'est pas pour les pasteurs. Mais ça l'était pour la dîme. La dîme, c'est pour donner aux orphelins. Mon corazon, mais ça l'était pour la dîme. C'est pour donner à la veuve. Ah, c'est pas pour faire l'image. C'est pour donner aux étrangers. Mais la copie, ça va pas. Comme les pasteurs congolais mangent la dîme parce qu'ils sont volés. Le corps a batté, il y a ton moment, il va lire. Par mon corps, il va se dire. C'est comme ça que Dieu frappe les Congolais. Il y a l'eau à la maison, ça va se dire. C'est-à-dire, si vous allez en Belgique, ceux qui vont en Belgique, la Belgique prospère. Ah, Belgique, c'est comme ça. Parce que les pasteurs belges ne mangent pas la dîme. Ah, pour être batté. Si vous allez aux États-Unis, ceux qui vont en Amérique, même au Rwanda ici, attaque au Rwanda, ces pays prospèrent, parce que les pasteurs ne mangent pas la vie. Non, ces gens-là doivent venir nous voir. Ah, mon toi, le Seigneur est au monde. Il a besoin de nous voir. Ah, ça pour ça, il a besoin que nous lui enseignions la notion. Ah, ça pour ça, tenter à éviter à mon connaissance. Il ne faut pas suivre ce genre de prédicateurs. Nous nous disons que la notion de la dîme, l'idée à mon corazon. Attention bien aimé dans le Seigneur. La dîme n'a pas commencé avec la loi de Moïse. Ah, non. Hey. Ça c'est une fausseté. La dîme n'a pas commencé par la loi. Parce que notre Père Abraham, quand est-ce que la vie soit malade, a donné la dîme à Messie. Après ça, mon corazon m'a mis qui c'est. Il l'a fait en vertu de quelle loi écrite. Est-ce que quand Abraham a rencontré Melchizedek, il y avait une loi écrite lui obligeant de payer la dîme? Disant que je m'en vais là où je vais, sans que pas bolinga, si tu me bénis, tout ce que tu me donneras, on se coupe ça là, je tournerai ici, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Quand Jacob me disait cela, c'était avec quelle loi écrite? Et ça là qui a mon bête au nid, il m'a connu. Abraham a donné la dîme sans aucune loi écrite. Et nous, nous payons la dîme. Nous allons d'abord par rapport à la loi. Nous payons d'abord la dîme. Au père mon corazon. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Pour être nous allons d'abord à l'homme. Ah, tout suite mon cana y a Isaïe. Tout pour m'étaler dans mon corps. Et ça fait un salamai bolu. Isaïe. Regardez. Au talamala. Nous sommes enfants d'Abraham. Nous allons d'abord à l'homme. Je suis dans le livre de Isaïe 51. Verset 1er, je dis. Ah. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Portez la relève sur les rochers d'où vous avez été tirés. Sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Verset 2. Portez le regard sur Abraham. Et sur Sara qui vous a enfanté. Père Nicolas, Sara, oh la bota, oh la bota. J'ai la précision des écritures. La ligne à casser qui c'est qui a ma commis. On dit porter le regard sur Abraham. A lui, moi, quand dit sur Nicolas, Bahama. Et sur Sara qui vous a enfanté. Père Nicolas, Sara, maman, la bota. Attention. Ok, maman. Quand on cite de Sara ici. Quand on a sa bota, ta Sara. Moi, j'ai. Où a gagné la salle commis. Et cette écriture. Il commis, c'est pour nous. Et ça nous prend la main. Parce que si vous allez dans la tête, La femme est libre, c'est ça. Ah, moi, c'est un son de ça. Sarah a enfanté Isaac. Sarah a
Nous qui avons crié à la parole de Jésus. Notre mère. Maman. C'est ça. Cette écriture nous concerne nous. Et parle de nous. On dit à nous. Nous devons porter les regards. Nicolas Abraham. C'est ça. Pélicolas. Oh, y'a beaucoup de vision. Ça veut dire quoi, notre et l'écolomanie, mais nous le soubassement de notre foi. Ah, mon bon, quoi, qu'on dit, mon ami, c'est dans notre marche. À chaque fois que nous marchons, nous devons toujours jeter les regards. Tout à la cataracte. C'est notre père. Ah, Nicolas Tatabala. Nous devons voir. Et c'est tout à la marche de notre père. À côté de la tata. Nous devons voir l'enseignement de notre père. C'est tout le monde qui s'y attend. Voilà pourquoi Jésus dira aussi. Y'a tout le monde qui s'y attend. Jean chapitre 8. N'a rien de mon capon à faire. Verset 39. Ah, c'est là tout comme ça. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres de Dieu. Pour l'hyper qui vous salamisa la tata. Un enfant d'Abraham. Ah, son cadeau en Abraham. Se reconnaît par les œuvres de son père. Vous savez, le Seigneur n'est pas insensé. Quand Dieu va inscrire la loi de la dîme, quand Dieu va donner la dîme, dans la loi de Moïse, le Seigneur se réfère à Bessé. Il a tiré la provenance. Ah, ici que vous tenez la notion de la dîme. Le nombre chapitre 18. Ah, il y a mon cadre. Et ça n'est même qui tu vas les comprendre. Au cours de ce soir, non, je suis mon cadet à mon tango, mon caponazon. Si vous voyez Dieu, ce qui vous monise en donnez la loi, copie à mon bébé, de la dîme à Moïse. Ah, mais pas une amosse. Pour le peuple, pour l'animal, tu l'a tiré où? Ça va, je suis à moi. Où est-ce qu'il a puisé cela? À Zui à moi. La provenance de cela, c'est où? Et où t'es liwa? Moi, je dis que la provenance de la notion de la dîme comme le salaire des hommes de Dieu. Et où t'es liwa? Pourquoi il faut ça? Et où tu n'es pas Melchizedek? Tu le comprendras. Au cours de ce nombre chapitre 18. Ah, mon cadavre, mon temps, mon écoutez ce que dit. Oui, je suis au verset 30. Ah, Nazali Nazela, tout comme ça. Suivez la lecture avec la passion. Bon, la réalité, il n'a pas de quai. Tu l'as dit là. Quand tu en auras prélevé le meilleur, tant que vous avez un la dîme sera comptée au Lévite. Comme le revenu de l'air. Et comme le revenu de la cuve. Ah, local appelle il faut y a bisita basala basala. Retenez. Ah, le revenu de l'air. Ah, ouzali il faut y a bilanga. Le revenu de la cuve. Paix il y a bisita basala vigne. Ah, la dîme. Ouzali local sera compté. Et copé ça mais là. Le vite balai comme local. Le revenu de lokola lifuti ya makambwa bilanga comme le revenu de la qui pe lokola biloko ya c'est la voix de terre mais simple et l'icône va nini Jonas Yohan yo na vient de l'air a outi na pour refouler au pied le blé a outi na konika masambe le revenu de l'air si vous remontez vous allez trouver que le revenu de l'air c'est le blé ce qui au mati pour le moment n'est pas seulement masambwa blé verset lisons rapidement ah tout à l'heure roman. Et votre offrande vous sera comptée comme les blés qu'on prélève de l'air. Ah, Père Montanabino et qu'on peut s'amener dans le corps à ma salle à boulot à jouer là-bas. Et comme les mots qu'on prélève de la cuve. Ah, le corps à vigne au basuit n'a qu'une. Ah, donc c'est le revenu de l'air, c'est quoi? C'est le blé. Ah, oui, où tu connais de Milagesani pour le revenu de la cuve, c'est quoi? C'est le mou. Amen. La dîme sera comptée au Lévite. Mon corps sera récompensé à Milan. On est comme les revenus de l'air. Le corps est l'autre outil à Milan. Les revenus de l'air, c'est le blé. Ah, oui, outil à Milan, c'est le revenu de la cuve, c'est le mou. Oui, outil qu'on a la cuve et ça lit ma fin à vie. Maintenant, remarquez. Parce qu'on a la malade. Le vrai Jonas. Neko Yona. Il a travaillé dans l'air. À Salim au salaire. Là où il a travaillé. Et c'est qu'à Salim. Son salaire, c'est quoi? À l'outil de Salim, c'est le blé. Et Salim Mouni. Le frère Jonas. Neko Yona. A travaillé dans la cuve. À Salim au salaire. Là où il a travaillé dans la cuve. On a mis qu'à Salim au salaire. Son revenu, c'est quoi? Ah oui, allez, Salim. C'est le mou. Et Salim vigne. C'est-à-dire le vin. Et Salim vigne. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a bonne. Mais maintenant. Quand Jonas. Quand Yona. Va prélever la dîme. Akoya Kozo Mokona. Du travail qu'il a fait. Y a Moussalo, y a il amène cela chez moi. Les lèvres. Ah, quand moi je vais prendre cela. Je les prends en tant que salaire. Tout comme Jonas a travaillé dans l'air. Tout comme Jonas
dîme. Est-ce que vous comprenez ces choses? La dîme sera comptée. Qu'on a sauvé mon père, sans éviter, comme les revenus de l'air. Ah, le coup poursuit de la langue. Si tu vois quelqu'un venir, Bible. Allez, pasteur souffre parce qu'il ne travaille pas seulement la Bible, les Il faut pas que nous nous camisons. Il faut chercher des emplois. Après, il faut que tu es loin du royaume de Dieu. Il y a cet homme dans nos âmes aussi. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Ce que nous faisons, c'est tout un travail. Qui mérite un salaire? Oh, Seigneur, il m'en fout. Et salut les gens, il a travaillé dans la cuve, à salut mon sang la cuve, il a le blé, à salut la boulet, il a le vin, à salut peine à ma soeur. Remarquez maintenant, au talamala, remarquez maintenant, au talamala, je dis que dans l'obéité, quelqu'un qui parle ici, sa mère Zoloma, il tire ses choses, à suit Miloko, il tire ses choses, à suit Miloko et pas mec, ce n'est pas pour rien, salut pour la pomme, si vous allez dans Genèse 14, ok, n'a jamais la soeur, comment avec qui c'est, quand il venait vers Abraham, allez par Abraham, qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il avait quoi dans ses mains? Asaki nani na maboko. Mais ce n'avait quoi? Asaki nani. Dans ses mains. Na maboko na ye. Il avait le pain. Asaki nani. Il avait le vin. Asaki pain. Mais le pain c'est le blé de ça. Si vous pensez à lui, ne m'as-tu pas voulu? Si vous posez la question, monsieur, est-ce qu'il faut tout dimanche dans mes mains? Où est-ce que tu as tiré ces blés? Oh, suis pas ça pas voulu. Où est-ce que tu as tiré ces vins? Oh, suis figure et roi. Mais c'est là qu'il te dira. Que je viens de l'air. Pour battre le blé. Je suis la cuve pour chercher le bou. Il ne pouvait pas avoir le vin. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Tu dis ceci. Dieu est cependant gardé à l'opinion. Le monde est aussi. Ce qu'on a appelé ici dans nombre 18, les revenus de l'air. C'est-à-dire le bleu. Au lieu d'appeler cela blé, au bel nom à sa boue, il dit le pain. À l'obéir libre, il dit au lieu de dire le mou, il a si la colombe à vie, il dit le vin. À l'obéir vin, mais Dieu vous bénisse. Quand on parle du bleu, tant ma zone de la masse à boue, laissez le pain. Ah, et ça dit des libres, laissez le pain, et ça dit pas. C'est Jean chapitre 6, et ça dit Yohan, mon père va manger de la main. Dans le dessert, c'est donc il est écrit. Il leur donna le bleu du ciel. Après, si Margot m'a savoir voulu à ma chère, Jésus dira en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le bleu du ciel. Et il parle de blé, mais Jésus parle de pain. Donc le bleu, c'est ça le pain. Le mou, c'est ça le pain. Quand vous voyez le Mercedes avec le bleu, avec le vin, il revient de l'air. Il revient de la quille. Voilà pourquoi il va prendre les produits de l'air. Il va prendre les produits de la quille. Si vous voyez Mercedes avec le bleu de l'air, c'est son droit. Et ça, il perd de travail. Voilà pourquoi l'Éternel va prendre cela. Il va les ramener avec la loi de Moïse. Consomme du cerveau dans mon bec ou dans mon Seigneur. Ça fait pitié. Et ça la mawa. Ça fait pitié. Passe mine. Nous sommes ensemble. Vous savez aujourd'hui. Nous avons adopté un système. Vous allez trouver chaque fin du mois. Vous allez le panier ici pour soutenir les hommes de l'Église. Attire-moi écolo pour la massacre de Nous faisons généralement. N'est tout ça la carte, mon messieurs. Je ne condamne pas cela. N'a sali côté le mélange. Je ne condamne pas cela. N'a télé médiant. Laissez-moi pousser à faire un petit kangari n'a kani sali sous ce malade. Moi, je crois comme ça. N'a sali côté ma bouille. Et ce qui fait cela. Bah, eux, ils ont ça. C'est parce que les gens ne donnent pas la vie. Et ça lui pointe, ma tout va bien, mon con à zone, il a ma côté. Il dit, vous bénissez. Ça va pas pour la vie. Il vous bénissez. Ça va pas pour la vie. À moins que nous soyons vraiment. Je ne sais pas les mots que je peux utiliser. Éviter, malmalini, la salle. Vous croyez que si tout le monde pouvait donner la vie. Oui, bon, quand il dit ce qui va tenir sur ma pierre, mon cousin, il va se trouver
à la fin du mois, ne fisse avec un certain 1000 dollars, 1200, 1300, 1500 dollars. Je suis arrivé dans un endroit, un frère a payé la dîme de 4 000. Abraham a donné la dîme de ton Quand est-ce que Abraham a pèsé mon Non, ce n'est pas seulement
seulement pas le simple fait qu'il a vu, mais c'est le pain et le vin. Amoni mais qui s'est dit qu'il a libre pris la vigne. Mais Abraham a donné la dîme de tout. Abessi, moi la zone il a mis. Après avoir écouté, Nassima Yamboyoka, les paroles de bénédiction, malheureusement il parle de la bouche de Melchisedek. Kouta. Moi j'écris ceci. Ces paroles de bénédiction. Malheureux à l'époque. C'est tout est resté. Et ça, il a qui se mobilise. Melchisedek. Melchisedek. Enseigné à Abraham. À Abraham. Quand il dit. Tant quoi remarquez d'abord la scène. Remarquez la scène. Abraham revient. Abraham a outi à du combat. A outi bitumba. Il est sorti victorieux. Abimi Molo. Il est sorti avec les richesses. Abimi na bosu. Il est sorti avec les hommes. Abimi na bato. Pendant qu'Abraham est avancé, quand c'est Tama Balama à Kopusa, tu regardes la montre. Oui. Il vous reste combien de minutes? 5 minutes. Oh, est-ce que je peux demander 10 minutes? Demandez et refusez. Amen. Je t'avais dit que je suis un parleur. Oui. Je parle beaucoup. On a la matière, il faut que vous parlez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnez-moi seulement 10 minutes. Amen. Remarquez une chose. Vous t'êtes beaucoup moqué. Avant de parler. Yambo Yakoloba. C'est-à-dire quand Abraham revient. Tango Abraham Azongi. Du combat. Azongi Kote Tumba. L'écriture des temps. L'icomier Tatou. Avant de parler de Messédé. Yambo Yakolobé Amélisédé. On parle d'abord du roi de Sodome. Azongi Melanano Mokonza Sodome. C'est le roi de Sodome. D'abord. Il venait à la rencontre. Koumou ya Sodome Naye Naino. Nabokuta Nabalam. Remarquez très bien. Kouta Nabalam. Je prends mon frère Jonas. Nazu de Koranga Yona. Comme Abraham. Le Koranga. Lui qui vient de sa victoire. Je me présente moi. Ngai na kepaï. Comme le roi de Sodome. Le Koranga Sodome. À la fin vous allez remarquer. Nasima Mokomone. Et ce que le roi de Sodome vient chercher. Oh yo Mokota Sodome Koluka. C'est la bénédiction d'Abraham. Et ça lui pas mouni Abraham. Remarquez. Otala. C'est la bénédiction d'Abraham. Il pas mouni Abraham. Le roi de Sodome lui-même était incapable. Mokota Sodome yo Mokasa ngema. De délivrer son peuple. Ya Mokangula libote. Il était incapable. À Sanga qui m'a combattu. De combattre pour l'autre. Ya Kobunde la lota. Mais quand Abraham est venu. Tango Abraham yé. C'est Abraham qui a combattu. Abraham n'a bundi. Il est sorti vainqueur. Abimi Molo. Il a libéré les hommes. Akango libato. C'est que le roi de Sodome ne lui a fait pas donner. Oh yo Mokota Sodome a pesa qui est. Mais le roi de Sodome va se présenter. Pour récupérer cela. Aïe, kokuta na balama pour ça. Pendant que le roi de Sodome, moi qui suis le roi de Sodome, avance vers Abraham et Jonas. Avant même que le roi de Sodome ne puisse parler à Abraham. Mais je sais bien que doit s'interposer. Mais qui sait que Sengeli aya katikati. Il s'interpose. Aïe katikati. Entre Abraham. Avant que le roi de Sodome ne puisse parler à lui, il est un homme de Dieu. Lui, c'est Messédé. Lui, c'est Messédé. C'est Abraham. Il est Abraham. Abraham avance. Abraham avance. Le roi de Sodome avance. Messédé doit s'interposer. Il ne s'intéresse pas à le roi de Sodome. Mais son problème, c'est quoi? Je dois prendre l'enseignement. Interposer cela, Abraham. L'expression et la reconnaissance. Matou, il a reconnu. Yeah,
je suis béni, faut comme on les a dit,
Comment ils vont qu'elle est partout où moi je suis passé? Ici, quand ils sont dans l'église, soit ils aient église qu'on a sali mon quai des années 1 mois et demi. Ah, s'il y a une église où j'ai prêché peu de temps, c'est 1 mois et demi. Mais je fais 4 mois dans la sali ma sans amine. 3 mois dans la sans amine sato. 3 mois. 5 mois. Ah, pourquoi c'est là? Pour l'amie. Quand j'arrive, quand mon dans son corps, mon premier souci c'est quoi? Ah, parce que là, il faut se faire besoin de l'église. J'ai toujours lié à poser la question aux hommes de Dieu. Les besoins de l'église, c'est quoi? Pour cette église, quand on me présente les besoins de l'église, je regarde mon calendrier. Je prie le Seigneur. Je travaille pour les besoins de l'église. Pour la procès église. Après le travail, je sais que vous voulez mériter son salaire. Je reçois mon salaire, je passe. Nous avions laissé les traces. Totiki, il est mort. Il est mort. Si vous allez chez nos frères à Doudou, pour que papa déclenche la boca, nous avons travaillé là-bas. Tout ça, il faut ça la cour. On a initié l'œuvre de la construction des temples. Ah, quand on a temple, un beau temple, quand on a. Oui, un grand temple, c'est. Les lots, l'église, à mon élan d'accord. Ok, n'a pas gagné. Nous les avons trouvés, les hommes de Dieu, là, en train de faire l'œuvre de construction. Ton coup de maman à Kotonga. Mais quand nous sommes venus, tant couturier, nous avons pris la chose. Les soucis d'avancer, de faire avancer l'œuvre. Pour ça, il y a qui nous avons aidé nos frères. Tout soumis va bien à faire avancer l'œuvre. Il y a qui nous aidons. Mais ici, nous aidons. Mais quand nous arrivons à s'enfuir, la première des choses, quand les hommes de Dieu manifestent, que je travaille ici. Ah, mon salaire était. Moi, je pose cette question. Moi, je pose cette question. À chaque fois que j'ai la chair ouverte, dans la première des choses, je pose. Là, tout le monde, vous évoluez comment? Ah! Bon, ça, vous savez. Les besoins de l'église. Ma posée église, c'est ça, les gens. Mais quand le Seigneur parle avec moi, tant que ma salle va sourire en bas, je prie le Seigneur. La salle de l'école. J'oriente le travail par rapport à ça. Ah! La salle de l'école, mon salle pour la misère. J'ai eu mal au cœur. La salle n'a pas signé. Mais j'ai encore mal au cœur. La salle de l'école n'a pas signé. J'ai encore mal au cœur. Peu n'a pas signé. Quand je pose la question aux hommes de Dieu, là, tout le monde, dans ma salle, dans sa tête. Tout d'abord, moi. Ngaï. Permettez-moi de vous dire la vérité. Bon, Pessangaï.